Est-ce que vous m'entendez? Je pense que le volume, si le téléphone joue des tours. Bon, là c'est bon, hein. Je pense que le volume est bon. Ok. Vous savez, je vis toujours dans un état d'alarme ou d'alerte. Parce que je me suis rendu compte que je peux m'amuser comme ça, là, ma vie passe. Je peux m'amuser dans quelques années, dans quelques mois. Je suis morte, je n'ai rien fait de ma vie. Vous ne vous en foutez même, vous ne venez même pas à mes funérailles. Je disais tout à l'heure que j'ai parlé avec une dame hier et vous me recevez bien, j'espère. J'ai parlé avec une dame hier lors d'une consultation. Donc, je vais vous résumer un peu son histoire. Il y a de cela quelques années, elle était la femme d'un monsieur très très haut placé et ça venait avec des avantages, c'est-à-dire belle maison, triplex, beaucoup d'argent et voyage. On va à New York, on va à Paris, on va en Europe faire ses vacances, on va passer 3 jours, on revient. Vous voyez un peu le degré de luxe. Et du jour au lendemain, cette femme se retrouve abandonnée. Bien sûr, c'était les attaques spirituelles. Parce qu'elle m'a décrit, oh là là, oh là là. Beaucoup d'entre vous, ce que vous avez manifesté au départ de votre vie d'abord, ce n'était pas le hasard. Parce que dans ton énergie, il y a l'argent. Et c'est quelque chose que les gens de ta famille ont vu depuis que tu étais petit. Parfois, tu vas même arriver dans une famille, tu vas épouser leur fils, il est riche. Ou tu l'épouses, il devient riche. Et quand il devient riche, ça correspond à ta vibration d'argent que tu avais senti depuis que tu étais petite. Dans le cas de cette jeune femme, on ne lui avait pas donné de conseils. Et elle ne connaissait pas. Je ne vais pas vous mentir, mon premier travail avec vous, c'est d'abord l'éveil. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit quand vous étiez en train de grandir. Il y a des choses qu'on n'a pas fait sur vous. Et en tant qu'adulte, il y a des choses que tu ne connais pas comment faire. Tu n'as pas appris. Parce qu'au départ, tu te disais que ah, ça, c'est pour les. Et là, tu es frappé depuis 5 ans, tu es à terre. Depuis 5 ans, tu es à terre, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Tu as même fait la demande d'asile. Même la demande d'asile que tu as fait là. Ça fait 3 ans qu'on devait te répondre. On t'a pas répondu. Bon, pour ceux qui sont en Afrique, la demande d'asile, c'est quand tu arrives dans un pays en Europe, tu n'as pas de papier. Ton titre de séjour va bientôt se terminer. Hein. Tu vas aller voir, tu dis que si tu rentres dans ton pays, c'est que tu es menacé. Et voilà. Bon. Parfois, les gens mentent quand ils font les demandes d'asile. Ça, c'est pas mon truc. Vous faites ce que vous voulez de votre bouche française. La personne a fui, n'a pas reconnu ton enfant. Donc, tu te retrouves d'un jour où tu étais bien. Tes projets allaient, tu voyais tout allait bien. Tu étais en école de médecine. Voilà, Et 2, 3 semaines plus tard. Et cette femme en particulier me dit que. Ok. Facebook, si vous avez mon compte TikTok, partez sur TikTok, je vous en prie. Je ne suis pas au bureau, je suis encore à la maison. Donc à la maison, j'ai pas, je ne travaille qu'avec ma connexion sur mon téléphone. Allez sur mon TikTok, c'est Reine Lumière. Bon. Donc je racontais l'histoire de cette dame. Tout allait bien dans sa vie. Elle avait un nombre de consultes, d'enfants. Elle vivait avec son mari dans un. Ils étaient bien.
Et sa belle-mère est venue la visiter. Belle-mère qui ne l'aimait pas et qui n'est jamais venue voir tous les enfants qu'elle a eu avant. Cette belle-mère lui dit d'abord, n'accouche plus. Quand elle se retrouve un jour, elle est enceinte. Bon, voilà, il y a la grossesse. Je suis mariée, je vais enlever l'enfant. Non. Quand elle accouche cet enfant-là, la belle-mère vient la visiter. Quand la belle-mère rentre de chez elle, les mois qui suivent, son foyer s'effondre. L'enfant tombe malade. Le genre de maladie que. Si l'enfant était grand, on avait dit qu'il est devenu fou. On les a encore tout petits. On a tourné, on a mis un autre mot. Et c'était le genre de femme que, quand le succès là arrivait, elle était aussi là. Ben voilà, j'ai la chance, mon mari a l'argent. Elle ne faisait rien. Bonjour, si vous venez d'arriver. 6 ans plus tard, elle me contacte. Elle me raconte son histoire. Elle me dit, ce sont même mes vidéos qui l'ont aidée. Parce que de son trou, du trou là où elle était. Du trou là où elle était. Une de ses soeurs lui a envoyé une vidéo de moi. Elle commence à regarder. Elle commence à regarder. Écoutez-moi. Je sais que ce n'est pas très, ce n'est pas la joie. Mais beaucoup d'entre vous, je sais que quand vous me regardez, la période où vous tombez sur ma page, c'est qui vous attire? C'est parce que vous êtes dans une sorte de léthargie. Tu es comme si tu es dans un sommeil. Tu as déjà essayé comme tu pouvais. Mais c'est comme si plus tu essayes, plus tu t'enfonces. Plus tu essayes, plus tu t'enfonces. Certains d'entre vous, vous êtes dans des mariages, dans des foyers. C'est comme si on t'a piégé pour que tu te maries. Ou tu t'es marié pour plaire aux gens et maintenant tu te rends compte que c'était le guet-apens. Certains, vous avez fui certains foyers seulement pour aller vous réfugier quelque part. Mais comme tu es réfugié là, tu es comme un. Je vois certains, vous êtes comme des loups blessés. Tu es blessé. Et tu es à terre. Je vous ai dit que j'ai organisé un atelier le 25. Quand vous allez entendre le prix de cet atelier-là, je ne veux même pas perdre l'argent sur ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes au sol. Un loup blessé, c'est quelqu'un que, il y a de cela quelques mois, années, tu avais ta voiture. Tu ne demandais rien à personne. Il y a une qui m'a déjà consulté l'autre jour. Oh my God, une Ivoirienne. Belle-mère, oh shit. Oh, belle-mère. C'est ça parce que les belles-mères veulent des gens. La femme-là me dit que, donc, ils avaient les hôtels. Elle gérait les hôtels de son mari. Les hôtels. Elle a seulement fui pour sa vie pour aller se réfugier en France. Donc, comme on dit que tu prends seulement un caleçon ou bien tu prends le sac à main le jour là, tu fuis, tu pars. Je sais ce que vous traversez, vous avez traversé. Celle d'hier me racontait, partez sur TikTok, Facebook, si ça dérange. Celle d'hier me disait que elle me parlait du 115 en France. Le 115 en France, c'est le genre que tu es là, tu as les enfants, tu ne connais pas. Donc, tu n'as pas de logement. Son mari l'a pris au pays, il allait la jeter en Europe. Il a fui. Il a laissé là-bas avec les enfants. Donc, il est parti. Comme on dit qu'on met la haine dans le cœur de ton mari pour toi, là. On met les points entre vous. Oui, Élisée, je ne t'ai jamais répondu. OK? Il est sur te faire un direct, tu peux même pas m'écouter. Tu vas même te bloquer. Tentez même pas. Hein. Il m'a jamais répondu. Par jour, j'ai au moins 500 messages. Écris, tu écris, tu écris encore. Éventuellement, je vais tomber sur ton message. J'ai 3 secrétaires qui répondent aux messages. Même comme ça ne va pas. Il m'a jamais répondu. Il n'y a rien à foutre. Elle me dit qu'il y avait des jours où elle reste comme ça avec tous ces nombres d'enfants que je ne vais pas donner le nombre. Parce que c'est que je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnes. Ma popularité ne fait qu'augmenter. Donc c'est qu'il y a les gens que vos ennemis sont sur ma page.
Créez des faux profils pour me suivre, s'il vous plaît. Je vais que seulement vous dire les vérités. Jusqu'à ce qu'il ne va pas blaguer. Je vais que dire. C'est pour ça qu'on m'a envoyé. Elle dit qu'elle restait souvent avec les enfants comme ça. 115. Oui. Et vous connaissez le 115. Quand tu appelles le 115, tu ne connais pas. Tu ne sais pas le jour là si on va te donner le logement ou pas. Tu marches avec les valises. Tu marches avec les valises. Tu es comme, tu attends seulement. Tu appelles. Quand quelqu'un décroche, merci Seigneur. Je vais me raconter à partir du 115. Je dis, ma chérie, j'ai vécu ça en France. Ne te dérange pas, je connais. Je portais souvent le savais un sac comme ça là. Que ça fait, quand ça brûlait à la maison. Tu vois le genre de chantage qu'on te fait jusqu'à tu es glacé dans tes dents, dans ta chair et tes os. Tu dis que c'est trop. Tu portes ta petite valise comme ça. Tu dis que je n'ai rien acheté dans la maison aussi. Tout ce que j'ai apporté, je prends. Tu prends une petite valise comme ça, là, tu pars. Tu te retrouves à l'arrêt de bus, tu appelles le 115 en hiver. Oui, j'ai connu ça. On te donne le lit à l'étage. Tu es là comme ça, là, l'enfant dort. Tu regardes l'enfant, tu dis que yeah, je suis où? Je pars où? Je suis où? Me voilà. Parfois, tu te regardes ça, tu n'entends, tu n'arrives même pas à croire que c'est toi. Écoutez-moi bien. Hein. Je ne sais pas si Dieu a dû me faire passer par toutes ces choses pour que je vous comprenne autant. Écoutez, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'il y en a, tu as déjà vécu ça au moins trois fois. Tu es à terre, tu es chez une de tes petites soeurs, ta troisième petite soeur t'abrite. Elle te bêche, on va dire. C'est les manières que tu veux voir. Ce n'est que normal. Ne t'attends pas au contraire. Tu n'es sous la charge de personne. Je vous dis ça chaque jour dans mes vidéos. Pendant la télé qu'on va faire jeudi, je veux parce que c'est ce qui vous bloque, c'est un peu comme quand on te lance une flèche, je dirais même une bombe spirituelle. En fait, c'est comme si on embrouille ta vision. Tu ne crois même pas que tu peux faire quelque chose. Tu vois comme avant, tu restais comme ça, problème de 2 millions, tu gérais ça en une journée. 500 000. Aujourd'hui, te voilà, même 20 000. Tu n'arrives pas. Ce sont les attaques spirituelles. Je vous dis. J'ai des périodes de ma vie, ça ne fait même pas un an et demi. Où je restais comme ça, payé. Même, j'avais un monsieur que je devais 150 000. J'ai pris 4 semaines ou 5 ou 6 semaines pour rembourser. Je ne sais pas si je ne donnais que 30 000 par mois. Oui, je devais 150 000, je donnais 30 000 par mois. Je reste dit que 30 000, rembourser 30 000 à quelqu'un me dépasse. Je vous parle de janvier 2021. L'année passée. Il dit, je vais payer ma dîme. Je vous montre souvent ça. J'ai mon témoignage. J'ai ce téléphone-ci. J'ai une application dedans, Monify. Où j'ai... je sais pas comment on peut dire. Pour ces mois-là, je mettais mes revenus dedans. Donc, je peux vous montrer quand j'ai commencé à payer ma dîme. Comment mes finances ont commencé à bouger. Écoutez, la bombe spirituelle, quand quelqu'un te bloque, on fait le Jacques. Tu ne sais même pas que tu es belle. Et quand la femme qui est parlée, il y a une belle femme. Oh my God. Écoutez-moi, quand on me dit souvent que tu es belle, j'ai oui seulement que laisser. J'ai laissé souvent comme ça là. Je marchais comme si j'étais l'épave de moi-même. La dépression. L'enfant part à l'école à 7 heures. Elle revient à 15h30, elle me trouve sur le lit. Que j'ai seulement tourné comme ça là. Je ne bougeais même pas. Je sors le matin, pas, il m'assoit. Il y avait un coin comme ça, il m'assoit là-bas. Je regarde un peu la verdure. Après, il rentre à la maison. Écoutez,
Je ne suis pas là ce matin parce que je me rappelle trop bien d'où je vais et d'où je viens, pardon. C'est ça qui me donne le carburant. Que chaque matin, même si c'est la nuit à 2 heures, Jocelyne, tu dors quoi? Tu dors quoi? Tu dors quoi? Tu dors quoi? Lève-toi. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons en vous. Tu prépares, c'est bon. Tu coiffes, c'est bon. Tu fabriques même l'huile. Tu peux me faire les parfums. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Donc, dites-moi, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Intérieur design, oh, c'est toi. Parfois, chez certains d'entre vous, ce sont les cycles répétitifs de vos mères. Tu analyses la vie de ta mère, tu vois que ta mère a passé ce cycle que tu es en train de passer. Et elle n'est pas sortie de là. Merci pour la rose, lovely. Merci beaucoup. Souvent, les gens de TikTok, c'est là. Vous venez me regarder, vous ne me donnez pas les fleurs pour moi. Et là, la dame me dit que dans son trou dans lequel elle est tombée, sans papier en Europe, sans papier, sans maison, sans assistance, rien. Et vous connaissez que quand tu demandes l'asile, pendant un moment, ce qu'ils te donnent, on te donne seulement peut-être même quoi, 200, 300, 400 euros, 500 euros. En fait, rien quoi. Si on te donne 500 euros et que tu as 5 enfants, tu fais comment avec? Voilà. Elle a appris, elle allait sur YouTube, elle a payé aussi des formations. En ligne. Et écoutez, je vous ai dit ce dont j'ai besoin pendant l'atelier qu'on va faire. Je crois qu'on est, si on est mercredi, ça veut dire que c'est demain, le 25. J'ai besoin que vous veniez avec 10 000 francs CFA. Je ne vous demande pas plus. Un téléphone Android. Si vous m'écoutez, ça veut dire que vous avez un téléphone Android. Quel que soit le pays du monde où vous vous trouvez. Donc, si vous êtes formatrice ou formateur, contactez-moi. Parce que je veux vous mettre en contact avec des femmes ou des hommes qui ont besoin de formation. Donc, si tu sais former en quelque chose, fabrication de bijoux, fabrication de perles, fabrication de savon, fabrication de n'importe quoi. Donc, quand tu vas t'inscrire à cet atelier, que toi, tu sais déjà fabriquer quelque chose, je vais te montrer comment vendre la chose. Peut-être que tu es couché chez ta soeur comme ça. On te parle mal pour le loyer. Tu ne sais pas que tu peux avoir l'argent. Tu peux te décider. Tu te donnes 4 semaines. 4 semaines, si tu as besoin de 500 000 pour payer un petit loyer de 50 000 la chambre quelque part et partir avec tes 3 enfants. 50 000, ça veut dire 500 000, non. En un mois, si tu as besoin de 500 000, ça veut dire que chaque semaine, tu as besoin d'avoir 125 000. Maintenant, si tu divises 125 000 en 6 jours, c'est comme ça que moi, j'ai fait mes calculs. Bon, supposons que c'est 100. T'en avais divisé ça. 125 000 à 6 jours, ça fait combien? Divisé, vous me dites. Ça veut dire que tu as un objectif quotidien. Dites-moi le montant que ça fait. Mon numéro est sur ma page de TikTok. 00237-693-50-22-66. Donc 00237. Peu importe le pays d'où vous me regardez. L'atelier va se passer sur Zoom. En euros, ce n'est que 16 euros ou 17 euros. Donc si c'est 125 000 la semaine, ça veut dire que chaque jour, tu dois avoir combien? 125 000 divisé par 6. Moi, je mettrais même 7 parce que je travaille tous les jours. Je n'ai pas le repos. Je n'ai pas le férié. 21 000 par jour. D'accord. Supposons, on va voir. Tu as 2 enfants. Ta première fille a 15 ans. OK? L'autre jour, dans mon centre, les enfants ont appris à faire les croquettes. Tu as besoin de 2 ou 3 business. Supposons, sur toi, tu as les 10 000 de mon atelier et tu as encore un autre 15 000 quelque part. L'argent ne se fait pas avec l'argent. L'argent se fait avec les idées. Voilà le téléphone, non? Tu passes sur Facebook, tu cherches les groupes.
les groupes des gens. Et les trucs que vous allez créer, je vais poster sur ma page. Ce qu'on va créer pendant l'atelier, là, je vais poster sur la page-ci. Donc, tu te dis, j'ai un mois pour rassembler 500 000 pour payer mon loyer, je quitte de cette maison. Ça, c'est parce qu'au Cameroun, le loyer, pour le loyer, on demande 5, 6, 7, 8 mois en avance. Mais dans d'autres pays, au Gabon, tu as un mois de loyer, un mois de caution, tu entres dans la maison. Donc, si tu es au Gabon, supposons que tu es gabonais, tu as besoin de 150 000 fois 2, donc 300 000 pour pouvoir aménager dans une maison. Tu divises. Merci beaucoup, Steven. Tu dis 20 800. Donc, je vais dire 21 000. Tu t'assois, tu traces ton plan. Avec les 15 000 ici-là, j'ai besoin de trois activités qui vont me donner, qu'on va rassembler tous les sous, ça va me donner 25 000. Je sais préparer. La nourriture, c'est le plus rapide. Maintenant, au lieu de préparer, tu déposes la nourriture, tu vends 500. Après la fin de la journée, tu as seulement 3 000, 4 000 de bénéfices. Moi, je dis toujours, si tu m'écoutes déjà, tu dois viser haut. Dans la ville où tu es, il y a des gens qui sont dans leur bureau chaque jour, qui n'ont pas. Donc quand midi arrive comme ça, ils commencent à dire que ouais, je vais manger. Oui, oh là là. Tu pars en Bopi au marché. Tu achètes les trucs là. Les Tupperware là. J'en ai même un ici. Tu achètes ça. C'est peut-être 300, 200, non. 125 le plus petit. Maximum 250. Le premier jour, tu prends même 7 000 ou 10 000 sur tes 15 000 que tu as. Tu fais deux repas avec petite portion. Hein. Et tu fais quand même peut-être 3 ou 4 ou même 5 que si quelqu'un goûte, ça lui plaît, tu peux lui vendre. Tu prépares tes deux nourritures, tu emballes bien. Tu mets la partie qu'on goûte. Tu regardes les gamelles là, il y a les petites gamelles qui peuvent avoir la taille de cette boîte-ci. Tu calcules les bureaux là, les banques. Tu peux même seulement faire les fruits, les sons, même la nourriture que tu ne connais pas préparer. Et si tu ne connais pas préparer, tu passes sur YouTube. Écoutez, je veux vous montrer, je n'aime pas quand une femme souffre, c'est la pauvreté, ça m'énerve. Parce que quand c'est l'homme, on connaît ce que l'homme va te faire pour te donner l'argent. Chantage, mépris. Écoutez, qui que ce soit qui te donne l'argent et que tu n'as pas bossé pour cet argent, tu n'as pas offert un service pour ça, un moment ça va tourner au mépris. Je vous dis, cash. Pas sur YouTube. Tu regardes une recette. Supposons que tu ne veux même pas préparer. Achète les fruits. Tu achètes un fruit à 1000 francs. Au Cameroun, 1000 francs de fruits, tu peux au marché le matin. Ça te donne 3 ananas. Et je vous dis encore, ne vendez pas comme on vend au quartier là. Que c'est le quartier vend à 300. Donc, moi, je vais faire ma part à 250. Comme ça, on va vite acheter. Jamais. Tu achètes un bon déodorant. Dans les 15 000, tu achètes un bon déodorant de 2500 qui sent bon. Tu cherches un habit que tu as derrière la maison. Ne pas acheter l'habit. C'est ça que vous aimez trop courir. Ton beau t-shirt que tu as. T-shirt simple que tu avais acheté à 1000 francs, ma chère. Tu repasses bien. Tu mets une belle odeur sur toi. Tu emballes dans tes Tupperware là. Tu calcules les endroits où il y a les hauts ministères, les, je ne sais pas quoi là. Je parle seulement les fruits. Hein. Bonjour. Et les gens, quand on va te voir, tu es propre, tu sens bon. Tu es venu les trouver. Ce n'est pas que tu es resté de 1-1. Tu es venu les trouver. Tu arrives peut-être, tu vois le vigile, tu dis, bon voilà, si tu me permets d'entrer ici là, je peux peut-être te donner un bol gratuit tous les jours. Écoutez. Moi, mettez-moi au Kazakhstan. Je deviens millionnaire au Kazakhstan. Azerbaïdjan. Je ne parle même pas la langue. On vous pensait souvent que tu prends tes fruits. Bien présenté. Tu arrives, tu as la partie goûtée. Bonjour, n'ayez pas peur des gens. Bonjour Junior, je ne sais pas qui tu es. Tu sais que tu es coach, ça fait longtemps. Bonjour Junior. N'ayez pas peur des gens. Bonjour, vous savez, je me suis dit que voilà, vous travaillez depuis le matin, je ne sais pas si vous avez hier mangé. C'est comme, fais la conversation. Il y a des gens qu'on te voit, tu es gay, pas les gens qui viennent, je suis une pauvre orpheline, j'ai 3 enfants à la maison que je dois nourrir. Ouais, hé! Non, non, non.
je viens de me lancer. Voilà, vraiment, je sais que j'ai fait intrusion dans votre bureau. Peut-être que vous mangez déjà ailleurs. Mais voilà, voilà, regardez. Je veux que vous testiez ma part. Tu sors ça, tu montres. Et tu vas à la sourire. Waouh. Ok. Donne quand même. Bon, vous voyez. Ouais, Junior, tu as un problème. C'est moi qui comme ça, Lupunga Junior. Tu aimes d'abord le lait comme ça, là. La laideur, c'est un péché. Tu as compris? Et l'insolence. Quand tu es laid, tu es insolent, c'est pas bon. Avec le bon sourire, tu le proposes, tu dis ok. Et quand vous commencez quelque chose, ne demandez pas l'argent au départ parce qu'il connaît votre problème. Tu vas venir le premier jour, tu vas dire donnez-moi 5 000 pour la boîte. C'est ta personnalité qu'on aime. Parce qu'il connaît 50 personnes chez qui ils peuvent acheter les produits que tu vends. Je donne d'abord le premier jour. Voilà. Alors, comment ça a été? Tu mets le soin sur ça. Peut-être en donnant ça, tu mets une petite note dessus. Ou bien un jour, tu viens avec un petit truc en plus, un cadeau que tu mets à côté. Tu dis, voilà, j'ai fait des petites frites de plantain. Juste pour un petit cadeau, hein, ok? Tu déposes. La personne ouvre comme ça, il voit comment c'est bien présenté. Oh, ça me fait tellement me sentir bien. Sur les 100 000 qu'il a gagné la journée, là, ma chérie, il va même porter 5 000, il va te donner souvent. Que tu me fais du bien. Que ma chérie, tu me fais du bien. Oh, ma femme à la maison, souvent, quand elle prépare, elle n'a pas le temps de venir jusqu'ici. Écoutez, les gens payent le service que vous leur rendez. Tu me soulages. Puisque tu m'allèges avec quelque chose qui allait me donner les maux de tête. C'est ça que les gens payent. On ne harcèle pas les gens pour qu'ils nous payent. Hein? Tu ne m'as pas payé. Voilà, vous pouvez payer chez toutes les autres femmes, mais vous ne payez pas chez moi. Non, mets la bonne attitude. Mets un beau sourire. Sois ponctuel. Fais-tu ponctuel. Tu améliores, tu innoves. Le lendemain, tu passes sur YouTube, tu regardes comment on peut découper les fruits, ça ressemble aux fleurs. Tu essayes ça chez toi, tu essayes. Quand tu arrives, tu ouvres son truc, tu dis, ah, maman, ça ressemble aux fleurs. Tu dis, non, moi, j'innove tous les jours, hein, tu savais, voilà. Après, tu cherches même 5 000, tu peux faire les cartes de visite. À Ange-Raphaël, là-bas, on fait les cartes de visite. 100 cartes de visite à 5 000. Tu fais ça. Quand tu arrives la prochaine fois, tu leur donnes la carte de visite. On dit, hey, une petite femme comme ça, là, elle a la carte de visite. On peut imprimer ton t-shirt. Là-bas, Ange a fait toujours. On peut imprimer ta photo sur ton t-shirt avec le nom. Tu mets ta photo, je mets les fruits ici. Vos fruits, vos super fruits pour une belle journée. Et quand on va, on peut te faire le t-shirt à 3, 4 000, 5 000, je ne sais pas. Et tout l'argent que tu prends dans les premiers instants de ton business, ce n'est pas pour manger. Parce que tu as une vision. Vous aimez trop, on ne m'a pas financé. J'attends le financement de la banque. Il y a de très fortes chances que ces gens ne viennent jamais te financer. Personne ne peut dire qui m'a financé. Non. Parce que je me suis assis un jour, c'est comme si le ciel s'est ouvert. Je me suis rendu compte que c'est la stratégie qui fait grandir ton business. Stratégie. Ce n'est pas l'argent. Certains d'entre vous, on a ouvert le magasin avec tout dedans, on vous a donné. C'est tombé, non? Voilà. Et quand tu fais comme ça le matin, tu prends le don, tu mets sur ta bouche, tu parles. Tu parles. Aujourd'hui, toute personne à qui je vais monter mes produits, ils vont acheter pour moi. Voilà, toute personne qui me faisait concurrence, c'est moi qui ai le dessus. Le matin, tu fais ton travail spirituel, tu te laves. Tu te laves en mettant l'huile sur toi. Tu regardes que mon visage brille. Tous mes clients qui m'avaient oublié, ils se rappellent de moi aujourd'hui. Ils m'appellent, ils me contactent au nom de Jésus. Ma nourriture, si comme je peux pas, les gens qui mangent, ils auront la bonne humeur. Leur cœur sera de bonne. Oh là là! Vous pleurez qu'il n'y a pas l'argent dehors. Ça fonctionne en Europe. Tu connais sûrement quelqu'un qui a des collègues au boulot. Envoie-lui une gamelle ou deux gamelles ou trois gamelles. Tu dis que donne les autres à tes collègues, ils goûtent. Goûtez gratuitement, ne vous inquiétez pas. Goûtez. Et en préparant ça, tu prépares le genre que tu sais que si quelqu'un, si ça touche seulement la langue de quelqu'un, il va te chercher. Eh, tchongo. Il va te chercher. Que maman qui a préparé ça.
J'ai rêvé dans la nuit, j'ai mangé que le gâteau de la femme était bon jusqu'à... Hey, elle est où? Elle est où? Elle est où? Et je vous ai dit que vous avez trois chiffres dans la journée. 3. 4h30, 8h. C'est là que tu vas mettre tes idées. C'est là que tu vas façonner tes idées. Tu vas mettre la queue parce qu'il veut pour la journée-ci. C'est là que tu écoutes ton livre audio. C'est là que tu fais tes déclarations. C'est là que peut-être tu prépares ta nourriture ou tu apprêtes ta marchandise que tu vas aller vendre à la journée. Parfois, tu peux avoir deux trucs que tu vends. De 4h30 à 8h, c'est là que tu fais ce que tu vas aller vendre. Tu vas envoyer, on va vendre ailleurs. Toi, tu ne peux pas vendre. Maintenant, de 8h à 14h, peut-être tu travailles quelque part. Là, ça demande ton corps physique. Tu pars, tu te donnes à fond pour la personne. Parfois jusqu'à 17h. Ma chérie, épices d'Afrique. Merci, c'est beaucoup plus faisable en Afrique. Épices d'Afrique. J'ai fait l'Europe. Ce que je vous explique, là, il fait ça en Angleterre. Je faisais mes produits, je déposais en Angleterre dans les magasins. Je n'avais pas les papiers. Les gens qui sont en Europe, vous voulez souffrir là. Vous aimez toujours me donner ça comme excuse. Tu sais, je dois créer d'abord mon entreprise avant de... What? What? À mon époque, il n'y avait pas encore TikTok. Ça, c'est le tout d'hier, c'est là 6 ans. Je marchais, j'arrête ça dans mes mains. Je marche. Je pars à Coventry, je pars à Birmingham. Je marche dans les magasins. Et j'avais acheté une machine en ligne. Ça s'appelle Dymo. D-Y-M-O. Dymo Printer. J'avais acheté la machine pour sceller les articles. Au Cameroun, on va ça à 22 000 francs. En Europe, c'était dans peut-être les 30 pounds. Je suis parti au marché, je n'avais pas l'argent pour commander la carte pour commander sur Amazon. Au marché du dimanche là. Vous voulez que vous parle de l'Europe? Peut-être que vous me regardez, vous croyez que comme j'ai fait le direct de l'Afrique, qu'elle connaît seulement l'Afrique. Hein? Je me rappelle que j'ai pu au moins 3 fois, il y a un supermarché en Nigérian. C'est au moins 3 fois que j'ai dû aller visiter, je voulais voir le patron. Parce qu'il voulait qu'il me permette de mettre mes croquettes, les croquettes, je ne connaissais pas faire les croquettes au pays. J'arrive en Europe, je commence à souffrir. Pas de papier, pas de... Je me rends compte que les Nigériens aiment les croquettes. Chin-chin, ils appellent ça chin-chin. Voilà une blanche neige qui dit, elle faisait les bananes mûres, les œufs bouillis, et elle brisait le poisson le soir. Ça lui a permis de venir en Europe. Tu crois qu'elle va arriver en Europe, elle va souffrir? Merci chérie. Tu es en Europe, tu n'as pas les papiers. Écoutez-moi, arrêtez vos choses là. Quand je te bloque, je suis ensemble et regarder comme si je suis seulement à la télé. Si c'est le cas, tu quittes de mon direct, ne vous dérangez pas. Mais ça me fait mal quand je vois une femme pleurer qu'elle souffre. Ça me fait mal. Je suis en Europe depuis 3 ans. Je n'ai pas. Écoutez, moi-même, j'avais l'enfant avec moi. L'État ne me donnait pas 5 francs pour m'occuper de cet enfant. On ne me logeait pas, rien. En France, j'ai fait ce que je te dis là, épices d'Afrique. J'ai pris mes mains, j'ai fabriqué les croquettes, j'ai étiqueté. Et sur ça, il y avait mon numéro. Il y a les beignets, il y a les caramels. Va en ligne, tu cherches d'autres recettes. Et la recette des croquettes, je ne connaissais pas faire les croquettes au Cameroun. Je suis arrivé en Europe, j'ai vu que ça marchait. Je suis allé en ligne. J'ai pris du temps. Chercher, on fait comment? Je fais un d'abord, j'essaye, 1 kilo. Je donne mon goût. Mets un peu plus de sucre. Mets un peu plus ça. Je fais. That's it. Et quand je goûtais, pour ce que les Arabes faisaient, parce que les Arabes faisaient les croquettes pour vendre noir, les Indiens. Je disais que, ouais, Seigneur, pourquoi les Indiens vont faire les croquettes que nous qu'on doit faire pour vendre? Je suis allé au moins 3 fois pour voir le monsieur là. Finalement, j'arrive à lui parler un jour. J'avais marché, tu vois, mon sac. Tout le monde me connaissait que j'avais tout le sac. J'avais tout le sac de Sainsbury ou de Tesco là. Le sac là. Je tirais toujours mon sac là avec moi. Parfois, c'était la valise. J'alignais les croquettes dans la valise comme ça. Parfois, il y a même 100 paquets, je pars avec. Je parle, il me dit que voilà, je viens de lancer mes croquettes. Pardon, est-ce que tu peux me permettre de déposer ici? Il connaissait les réalités des gens en Europe. Allez dans les magasins africains, vous voyez, vous me dites si les produits que vous voyez sur les étagères. Vous me dites si tous les produits là sont enregistrés.
Aïsa divine, tu crois que j'ai besoin de toi dans le direct ici? Ouais, Seigneur. Là, vous avez tout en Europe. Vous venez vous parler sur d'autres personnes. Laissez les gens. Il y a les gens qui ont besoin de ce que je dis. Il y a les gens qui ont besoin de ce que je dis. Et puis, si tu es bloqué dans ta tête, tu as compris, ma chérie. Tu es bloqué dans ta tête. Voilà. Dans le magasin du monsieur, là, par semaine, je vendais au moins 150 boîtes de croquettes. 150 boîtes de croquettes. Ça fait 6 ans. Si vous venez pour m'emmener sur autre chose que ce que je suis en train de dire, je ne réponds pas. Je vous dis cash. Voilà. Parce que, monsieur, en tout cas, que beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez. Mais vous dormez. Parfois, une femme vient me voir. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Regarde-moi, tu es belle, tu es jeune. Va apprendre à faire les croquettes. Va apprendre à faire les crêpes en ligne. Va apprendre à faire les crêpes. Les crêpes, ma chérie. Tu vois souvent quand moi, les gens qui se baladent avec un seau de crêpes comme ça là. Vous vous moquez de lui, hein? Va voir son argent à la fin de la journée. Jesus. Un jour, je reste au Saint-Esprit me dit, arrête de faire les croquettes, tu dois faire autre chose. C'est le temps là que j'ai voulu faire le coaching. Le jour, j'ai dit au monsieur là que j'arrêtais de faire les croquettes. Il dit, oh, why? Why are you stopping? C'est God told me I need to do something else. I'm upgrading. Dieu m'a dit que je dois upgrade. Je dois aller à un niveau plus haut. Chaque petit business que tu fais, tu prends les principes. Tu transportes ça dans l'autre business que tu as allé faire. Quand j'ai commencé le coaching, je pouvais coacher quelqu'un, lui parler parce qu'il savait que j'ai pu me nourrir pendant tel nombre d'années en vendant les croquettes et les caramels. J'avais pris des appartements, je prenais, à l'époque en Angleterre, tu pouvais louer la maison sans papier. Il suffit que tu viennes voir la personne, tu donnes ton passeport, il ne faut pas regarder ça, le visa dedans. Je loue la maison qui est gâtée, gâtée là. Le genre de maison que les agents immobiliers ont mis en ligne, on n'a jamais loué. Je regarde, je vois le potentiel de la maison. Je loue. Je viens d'abord dire, ok, donnez-moi, je donne d'abord la caution, 700 pounds. Une maison de 5 chambres, généralement en Angleterre, c'était 700 pounds à l'époque. J'avais peut-être 24-25 ans. Hein. Maman célibataire, ma fille avait 3 ans à l'époque. 2-3 ans, petite comme ça. Là. La journée, je travaillais dans un salon de coiffure, elle me donnait 45%. Parfois, elle coiffait une tête de la journée, ça me donnait presque rien. Le matin, elle faisait mes croquettes d'abord. Donc, quand je louais la maison comme ça, j'achète la peinture. Je demande au bailleur qui me donne 3 semaines pour payer le premier. Ok, si je te donne l'argent le 25. Dans trois, le loyer commence dans 3 semaines. Et c'est dans 3 semaines là que je vais te donner le premier mois de loyer. Donc je sais que j'ai 3 semaines pour produire 700 pounds pour payer le monsieur. Et pour finir de peindre la maison. Et pour finir de décorer la maison. Et pour louer la maison. Donc si j'ai peut-être même 200 pounds à côté, j'achète la peinture. Le pot de peinture c'était 16 pounds. J'achetais ça à one stop. J'achète, je mets dans le bus, je tire ça, je paye et dépose à la maison. Je commence par la première pièce. Mon objectif, c'est de décorer la première pièce. Je loue la première pièce. Vous attendez le financement des gens, ça ne va pas venir. Je vous parle comme ça pour qu'à travers mon histoire, je n'ai pas dit que tu vas forcément aller faire ça. Mais tu vas trouver, you're gonna have to make a way. Tu vas trouver un moyen. Je peins la première chambre. Souvent, je finissais la peinture à 23 heures. Je mets les livres audio là, je dépose. Pendant que l'enfant aussi là-bas en train de jouer, elle fait sa part de peinture. Je peins. Ma main fait mal. Je me repose un peu, je peins, je finis de peindre. Je regarde maintenant ce que vous appelez le bon coin en France. En Angleterre, c'était gum tree. Je regarde les trucs. Dès que je trouve, parfois eBay c'était un peu difficile parce que les gens bidaient tout le temps. J'avais pas le temps d'aller en ligne pour bider. Donc, je regarde sur Gumtree. Dès que je trouve un petit lit, peut-être le lit, au lieu d'acheter le lit peut-être à 200 pounds à Ikea avec le matelas, je me retrouve en train de prendre un lit peut-être à 60-70 pounds avec le matelas.
Je pars chez Ikea maintenant. J'achète les petits trucs. La petite table de 5 pounds. Oh, cette table m'a tellement aidé. Où est la table que tu visses les pattes comme ça là, non? La table qui est comme le papier là. Oui. Ça devient la table de chevet. Je décore, je me donne maximum 2 semaines. Quand je commence à décorer la première chambre, je mets moi-même encore la publicité de ma chambre sur Gumtree. Je commence à montrer aux gens. Quand les gens viennent regarder, je dis que je te loue, tu me payes un mois de caution, un mois de loyer. Si tu loues la chambre à 300 pounds, tu me donnes combien quand tu arrives pour entrer dans ma première chambre? Excusez-moi. Non, écrivez-vous même le montant. Je vais dépenser au maximum 1100 pounds. 700 pounds au bailleur. Pour commencer la peinture et déco, le lit peut-être 70 pounds. Transport 10 pounds pour que ça arrive là-bas. Tu achètes peut-être la table. Et Ikea avait les penderies comme ça qui étaient assez compactes et bien. J'ai acheté les penderies là peut-être à 70 pounds aussi. Donc je savais que maximum avait 250 pounds. Je meublais la première chambre. Et la peinture et tout ce qu'il y avait autour, avec les tableaux, je peux te mettre 2 tableaux sur les murs, à 20 pounds. Je prends les 600 pounds que tu me donnes. Je pars maintenant meubler la deuxième chambre à 300 pounds. J'ai déjà économisé 300 pounds de côté pour payer le bailleur. Et quand je te loue comme ça la chambre en avant, j'ai dit que tu vas venir habiter cette chambre le jour où mon loyer va commencer. Donc, on est déjà peut-être à moins. J'avais demandé 3 semaines au bailleur au départ. Donc, j'ai déjà fait 2 semaines pour décorer, mettre en ligne. Les gens sont venus voir. Donc, je te dis maintenant que ton loyer commence dans 4-5 jours. Je prends ton argent déjà. Je signe un papier. Deuxième personne vient. Quand ils sont en train de faire la deuxième chambre, maximum. Et quand la première. Je fais voir la chambre à 2 personnes. Première personne prend. La deuxième personne, je lui montre la chambre. Je lui dis que la chambre qui est à côté, je n'ai pas encore fini de peindre. Mais ça va ressembler à ce que tu vois ici. Écoutez-moi, hein. Moi, c'est là. Moi, là, ma calcul, ma plan. Donc, je m'arrange à ce que le jour où officiellement je peux louer la maison, j'ai déjà pour le loyer de 2 chambres à 2 personnes. Ça me fait 1200 pounds. Je retire 700 pounds, je paye le bailleur. Je pars encore, les 300 pounds qu'il y a au-dessus, quoi, je pars encore meubler la troisième chambre. Je sais que maintenant, ok, si le premier paye 300, parce que dans les chambres anglaises, il y a 2 grandes chambres. Si c'est une maison de 5 chambres, il y a 2 grandes chambres et les 3 dernières sont les petites chambres. C'est-à-dire les premières chambres, les grandes chambres, tu peux les faire 300 en fonction du meuble que tu as mis dedans. Tu peux faire à 350 pounds ou 300 pounds et les autres, tu les fais à 250, 275. Donc, supposons, au pire des cas, les 3 autres chambres, je les fais à 250. Et ce que moi, je faisais, je partais vivre dans une des chambres pour ne pas payer de loyer. Donc, si j'ai 2 personnes qui ont 300 pounds, 2 autres personnes qui ont 250, 250, ça fait que chaque mois, j'ai combien? 600 plus 500, ça fait 1100 pounds. Je ne compte pas mon loyer. C'est comme ça que j'ai fait pour vivre sans payer le loyer en Europe pendant beaucoup d'années. Ça, c'était à l'époque. Mais je suis sûr que c'était là-bas maintenant, j'allais trouver un autre moyen. Parce qu'il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Chaque mois, je me retrouve à 1100 pounds. Quand on se taxe avec les factures, gna gna gna, ça te prenait environ. Quand on se taxe, j'ai 100 pounds. Tu pouvais avoir les factures de environ 100 à 150 pounds. En hiver, ça s'est élevé un peu. Donc, du coup, pendant l'été, je profitais pour mettre un peu d'argent de côté parce qu'en hiver, il fallait mettre le chauffage le soir. Donc, je devais paramétrer le chauffage et tout ça là. Tout ce truc là, je connais. J'étais toute petite. Hein. Je logeais les pères de 40 ans, parfois 45 ans. On dit que ta bailleresse, on dit que c'est la petite fille là-bas. Et je gérais. Parce que dans tout ça, pour faire les imprévus, il y a les bailleurs, les locataires qui viennent, ils vont te. Oh, c'est une petite femme, je peux lui faire le chantage, je peux ceci, tout ça. Donc j'ai dit, ah, bougez. Une femme vient me voir, elle me dit que maman, tu es jeune. Elle dit que maman, laisse-moi, c'est la vie qui m'a. La vie m'a forcé à devenir comme je suis là. Oui, I didn't have the choice. Donc, chaque mois, je me retrouve, si j'enlève les factures de peut-être 250 pounds sur les 1100 pounds que je reçois, 700 pounds pour le bailleur. Il reste combien? Il reste 700 pounds pour le bailleur. Il reste 300, 400 pounds. J'enlève 250 pounds pour les factures. User, tu dis que maintenant c'est devenu trop dur.
Vous savez quoi? Je ne vais même pas vous répondre. Si vous voulez rester bloqué, restez bloqué. Continuons. Ça veut dire que chaque mois, je me retrouve avec mon loyer payé et 150 pounds au-dessus. Maintenant, ce que je faisais, c'est qu'elle prenait la première maison. Je commence à chercher dans le quartier s'il peut trouver une deuxième maison qui est toujours abîmée comme ça. Généralement, avec les Edgbaston là, c'est parce que là-bas, qu'il y avait des maisons un peu, les grands, les big, big houses, you know, like five bedroom house, les trucs de cinq chambres. Quand ils trouvent encore, à un moment, j'avais un, dans une rue, j'avais deux maisons. Une, c'était au 73, l'autre au 70. Donc, j'avais 70 et j'avais 73. J'ai fait en sorte, je parle avec l'agent immobilier. Je dis, est-ce qu'il peut voir le bailleur? Je cherche à voir le bailleur. I need to see the landlord. Parce que c'est que quand le bailleur va me voir, il va voir l'énergie que j'ai. À un moment, il va dire que j'ai marché derrière un bailleur comme ça pendant un an et demi. C'était un ancien juge, il était à la retraite. Il m'a dit que je te donne ma maison. Et puis Airbnb est venu. Ah, quand Airbnb est venu, j'ai fait Alléluia! 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 Oh God! Oh my God! Je suis passé de 1100 pounds à environ 2500 à 3000 pounds. Et je n'avais pas les papiers, s'il vous plaît. Avec Airbnb. Parce qu'avec Airbnb, il suffisait juste que tu aies un compte PayPal qui est relié à ton compte bancaire. Oh my God! Soyez ingénieux. Ce que je vous dis, c'était il y a cela 6 ans. Donc, si il y a cela 6 ans, je réfléchissais comme ça. Imaginez alors où ma tête est maintenant. Imaginez. Vous parlez de blocage. Vous n'êtes pas bloqué. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Quand je vous dis souvent que vous serez attaqué, je pèse bien mes mots parce que l'attaque n'est pas mauvaise. Peut-être à 22 ans, tu avais déjà du succès, tu avais 3 voitures. Tu es tombé à 25 ans. Quand tu es en train de te relever à nouveau là, il y a des choses que tu dois apprendre qui vont te protéger quand tu vas remonter et qui vont te maintenir. Parce que le tout, ce n'est pas de monter. Le tout, c'est de rester là en haut et de monter plus haut. Vous comprenez que ce n'est pas de qui veut, c'est de qui peut. Je veux que chacun d'entre vous, et chacun a son dada, et peut-être ta part c'est de fabriquer. Il y a un moment qui est en ligne très la résine pour fabriquer les porte-clés. Tu es en Europe, tu n'as pas de papier. Cherche quelqu'un que tu peux lui donner tu peux utiliser son adresse pour recevoir les produits. Tout ça, on va en parler pendant l'atelier de demain. Je veux ouvrir vos idées. Vous devez venir dans cet atelier, à part les 10 000 francs que vous allez payer. Vous allez venir avec 3 idées de business. Votre téléphone portable. Si tu es déjà en activité et que l'activité ne donne pas comme tu veux, tu es mon client idéal. Parce que c'est que quand tu vas venir dans l'atelier, tu vas... je vais te montrer comment naviguer ce que tu fais. Certains d'entre vous, vous avez les idées. Vous avez le business, vous avez à lancer. Tu vois, il y a une de mes coachées, là, elle me dit, maman, j'ai acheté les bracelets. Voilà, j'ai le stock ici à la maison. L'esprit m'a inspiré. Je suis là, j'ai acheté, j'ai fabriqué, j'ai mis. Maintenant, j'ai peur. La peur vient parce que tu as manque de connaissances. La peur vient parce que tu as manque de connaissances. Écrivez cela, manque de connaissances, s'il vous plaît. La peur, c'est un peu comme quand tu veux conduire. Quand tu vois la voiture chaque fois. Tu ne sais pas comment faire les manœuvres. Tu as peur. Hey! La première fois que tu as touché le volant. Moi, j'avais paniqué. RDC, pour participer à l'atelier, voilà le numéro de téléphone. 00237. Tu écris sur WhatsApp. 237 693. Écrivez. 50 22 66. Le deuxième numéro, 00237. 655 31 07 50. Je vois que il y en a quand même que vous me suivez. Donc quand vous avez commenté manque de connaissances. Excusez-moi. Good morning, Mungu. Tu as peur parce que tu ne connais pas comment on fait.
Quand tu prends le volant aujourd'hui, tu fais comment? Tu es Schumacher, non? Brrr, tu conduis. Oui, la main sur le volant. Hein. Oui, ok, pas de souci, pas de souci. Alors que quand tu apprenais à conduire, je ne me rappelle pas la première fois que j'ai pris l'autoroute avec mon instructeur, je sais pas, oui. Hey! Mon téléphone a sonné. Je suis au volant, vous êtes là. Pourquoi la personne m'appelle quand je suis au volant? Elle me fait paniquer. Je n'ai même pas regardé le volant. Je n'ai pas regardé le téléphone. Le téléphone est dans mon sac, c'est en train de sonner. Le fait de savoir que mon téléphone sonne pendant que je suis sur l'autoroute me fait paniquer. Faut me voir aujourd'hui. Mof, je peux te taper 8 heures de route. Hein. Je te fais Danemark, j'arrive en France. Je traverse l'Allemagne. Vous parlez de quoi? Tu as peur parce que tu ne connais pas. Si tu restes dans ta tête, tu vois comment tu peux tracer. C'est pour ça que les gens qui font les marketing au réseau, souvent, quand on veut te faire acheter un truc ou bien rejoindre un service, ou bien te faire acheter des produits pour revendre, on te parle, ouais, ce sera bien, ouais. On te montre comment tu vas prendre ici, tu vas partir vendre là-bas, tu auras 30% de commission. Tu prends, tu vas vendre, mais oui, c'est facile, je parle, ils achètent. Tu as eu confiance parce qu'on t'a montré comment tu allais écouler ton stock. Donc, les numéros 693 50 22 66. Donc, 237. Saïdou, tu n'as pas bien écrit le premier numéro. 237 693 50 22 66. Le deuxième contact, c'est 655 31 07 50. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous allez sur mon profil, il y a le lien là-bas. Tu cliques dessus, ça t'amène dans le WhatsApp. L'atelier, c'est 10 000 francs. En euros, je vais mettre à 17 euros. 17 euros. Vous envoyez par PayPal, vous envoyez par Orange Money et on vous met dans le groupe. Dès qu'on vous met dans le groupe, demain, 16h00, heure du Cameroun, ce sera enregistré. Donc, vous pouvez regarder après. Pardon. Écoutez-moi, je vous parle comme si c'est une grande soeur qui te prend et te fait asseoir. Tu ne peux pas rester dans le trou où tu es. Il est temps que ce que tu vois dans le rêve chaque jour. Je me suis vue avec beaucoup d'argent, je me suis vue avec le diamant. Il est temps que tu te lèves, tu commences à marcher pour aller vers l'accomplissement de tes rêves. C'est nécessaire. C'est primordial. Et beaucoup d'entre vous, ce qui vous manque, c'est d'être dans un environnement où vous allez voir les gens qui vous tirent vers le haut. Tu es entouré de haters. Tu es entouré de gens qui te détestent. Ils t'ont reçu chez eux en Europe, ils ne veulent pas que tu avances. Demain, quand tu sors le matin comme ça, ah, j'espère qu'elle va pas aller tomber sur un riche blanc qui va vouloir la prendre. Non. Au Cameroun, ce sera à Douala. À Douala, ce sera physiquement, je serai à Douala. Je suis arrivé hier. Ceux qui sont en France, vous allez vous connecter sur Zoom. Ceux qui sont tous les autres pays, ce sera sur Zoom. Et qu'on va faire, vous allez poser les questions s'il y en a. Donc, si maintenant vous savez, vous avez un service ou un produit, contactez-moi aussi. Parce que je veux mettre votre produit à la disposition des gens ce jour-là. Mais vous devez faire partie de l'atelier. Je sais que te demander 10 000 francs pour te mettre devant un réseau de personnes qui peuvent avoir besoin de ce que tu fais, ce n'est pas trop te demander. Il y a des gens qui ont besoin de formation. Tu peux faire des formations où tu apprends aux gens comment créer la chaîne YouTube. Ça peut être ton écoutez, hein, écoutez. Hein. Même TikTok. Tu peux faire des formations où tu montres aux gens comment faire TikTok. Excusez-moi, on met le rouge à lèvres, on parle, ça fait les traits. Donc, si vous voyez les traits sur ma bouche, prenez sa main comme ça. Je peux essayer de vous faire plaisir. Si tu as Yaoundé, tu vas te joindre sur Zoom. Tu vas te connecter. Zoom, c'est sur une application sur ton téléphone. Tu ne peux pas te permettre de rester à terre. Tu ne peux pas. You cannot. Mm-hmm.
You cannot. Pour le lavage à Douala, si vous venez aujourd'hui, aujourd'hui comme je suis arrivée hier, c'est la journée du lavage. Il y a aussi le lavage du premier du mois. Donc le premier août, vous pouvez vous enregistrer. Makepe, derrière Paja Center. Derrière Paja Center à Makepe, il y a une menuiserie. C'est la maison, la grande villa qui est en face de la menuiserie. Il y a des affiches dessus, il y a ma photo sur le portail. Derrière Paja Center à Makepe. Vous savez, à un moment, tu dois décider de ne plus dépendre des gens. En Amérique, c'est pareil. N'est pas vous connaissez qu'on fait des trucs à distance aujourd'hui. Ouais. Comment poser encore les questions comme si... Abidjan, on sera installé à Abidjan en début septembre. Non, on a été finalisé pour Abidjan. Moi-même, je viendrai là-bas. Je devais venir en fin, octobre, fin de ce mois. Mais je préfère venir pour finaliser le local, donc. Abidjan. Mais vous pouvez tout participer à distance sur Abidjan. Je pense que tu ne peux plus donner l'excuse que c'était ton mari qui te... Ton mari et toi, vous êtes séparés depuis 2 mois ou 2 ans. Oh, il me ralentissait. Il n'est plus dans ta vie. Pourquoi tu dis que c'est, il te ralentit encore? Hein? Je n'expliquerai pas vos rêves, je n'expliquerai pas les serpents qui vous ont mordu, rien du tout. Tu m'écoutes, là, tu avais le sel. Bon. Je vous ai assez donné des idées. Si quelqu'un écoute ceci et que son esprit est disposé, c'est que tu as déjà eu même 3 idées de business pour les mettre en pratique. Le lavage à distance se passe comment? Tu envoies ta photo, tu envoies le paiement. Photo et nom, tu envoies le paiement. J'ai une dame qui m'a contacté l'autre jour. Elle était au boulot, son mari reçoit un paquet. Dès qu'il touche ça, le soir, il rentre que tout son bras a enflé. C'est un blanc. Les deux bras ont enflé. Et le lendemain, il est à l'hôpital. Tout son corps commence à gonfler. Elle dit que ça fait 5 semaines que le mari est à l'hôpital. Les docteurs, on a même opéré, on ne trouve rien. Elle m'a pas été en pleurs, elle était désespérée. Elle envoie donc, elle m'envoyait dans ce que je vous dis, envoyait surtout les photos et non, c'est tout. 2 jours plus tard, elle m'appelle en pleurs. Elle me fait le voice d'ailleurs. Je ne sais pas comment elle peut te remercier, maman. Le corps de mon mari, il ne pouvait pas porter la chaussure depuis 4 semaines. 6 semaines, il ne pouvait pas porter la chaussure. Ses pieds sont dégonflés, ce qu'il porte la chaussure. Quand tu as commencé le travail, le lendemain, le docteur m'a contacté pour dire que mon mari peut rentrer à la maison. Et les attaques. Maintenant, vous devez savoir comment contrecarrer. Maintenant, ces ateliers, j'ai commencé à les faire parce que beaucoup d'entre vous, vous me suivez, vous avez commencé à faire votre travail. Le travail spirituel doit se mettre, doit être, aller de pair avec une action. Tu ne peux pas prendre un don, tu mets sur ta bouche. Voilà, je reçois mes clients aujourd'hui. Je reçois. Tu finis, tu te couches, tu dors. Ou bien tu finis, tu te retrouves sur le... Non. Tu dois finir de parler avec ta bouche, de te laver, de te nettoyer des mauvaises énergies. Tu sors maintenant, tu peux vendre ta marchandise. Dieu va bénir. La Bible dit que Dieu bénit le travail de tes mains. Dieu ne bénit pas l'endroit où tu te couches pour que tu dormes bien. Non. Il bénit le travail de tes mains. Donc tes mains doivent faire quelque chose. Voilà. Ok. On a assez parlé, nous. D'accord, fidèle depuis N'Djamena. Je ne sais pas dans quelle langue je peux parler, mais moi, je vous ai dit, il y a aussi la promotion des lavages pour les enfants, pour la rentrée. Le lavage des enfants, ça coûte 15 000 francs. Si tu as 3 enfants en descendant, donc 3, 2, 1 enfant, 15
15 000. Maintenant, si tu as 4, 5, 6, 7, 8 enfants, même tes neveux, hein, tu peux ramasser tous tes neveux là. Tu leur fais faire un lavage à distance. Les trucs de lavage, les témoignages de lavage, les gens trouvent le boulot, les couples sont réconciliés. Visa. Parfois, peut-être toi et ton mari, vous avez des problèmes depuis des mois. Manipulation des belles-mères là. J'ai beaucoup fait de vidéos là-dessus hier. Manipulation des belles-mères là. Voilà. Et pour faire ton travail spirituel, tu as besoin d'argent. Beaucoup d'entre vous, on vous bloque parce que vous êtes pauvres. Tu n'as pas l'argent pour aller faire quelque chose. Pour avoir l'argent, il faut que tu travailles, non? N'est-ce pas? Soyez sage. On t'a menti, ma chérie. Tu dois travailler. Tu dois avoir même 50 articles que tu vends. On achète, aujourd'hui, on achète l'autre, si ça te entre. Là-bas, on achète l'autre, ça te entre. L'argent doit entrer de tous les côtés. Multiplie tes sources de revenus. Certains d'entre vous, vous devez passer à une autre échelle. Tu dois ouvrir des succursales. N'aie pas peur. Voilà. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous ai donné tous les numéros pour les ateliers. Pour vous joindre à l'atelier de demain. 16h, 20h30. Ne me dites pas que vous aviez oublié. Ne me dites pas que... Venez, prenez votre travail, faites. Et vous allez voir. Je crois qu'après ça, peut-être je vais prier pour tous les business qui seront là. Les business des gens qui seront dans le truc aussi. Je vais aussi parler des principes financiers. Parce que les finances sont des principes. Que ton chiffre d'affaires soit de 1 million par jour, ou qu'il soit de 10 000 par jour, tu dois assister parce que je vais donner les principes. Un principe s'applique sur 5 milliards, il s'applique sur 50 000. Donc le numéro, c'est le 00237 693 50 22 66. Le deuxième numéro, 00237, prenez de quoi noter, 237. 655 31 07 50. Donc 655 31 07 50, 680 71 0701. Voilà. S'il te faut un mois pour trouver 10 000, vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut pour toi. Bon. Donc, l'atelier, c'est 10 000 francs. Ceux qui sont en Europe, c'est 17 euros. Dollars, c'est 17 dollars. Vous en faites le trafic. Sendwave, PayPal, Orange Money. Vous pouvez envoyer. Le premier numéro, c'est le 693 50 22 66. Quand vous payez, vous envoyez une capture d'écran et vous demandez qu'on vous mette dans le groupe. Parce que quand on va commencer, on va mettre le lien de Zoom dans le groupe là. Vous pourrez assister et vous poser les questions aussi. Donc 693 50 22 66. Avec le 237 devant. Et arrêtez de tarder, arrêtez de vous. Parfois, vous perdez tellement le temps. Vous dormez. Donc, on va répondre à vos messages maintenant. Soyez patient quand vous écrivez. Écrivez, vous relancez encore. Tant qu'on ne vous a pas mis dans le groupe, vous ne laissez pas tomber. Donc, il y a bonjour, la reine Chacha. Il y en a parmi vous, on doit vous. Vous avez la marchandise sur place, il faut que ça sorte. Il y en a, vous avez des idées. Il y en a même, vous êtes business, vous avez les idées. Il y en a même, vous allez faire dans le business, mais vous ne savez même pas. Donc, tu ne sais même pas que tu es une businesswoman. Est-ce que vous savez que j'ai grandi? J'étais tellement timide dans mon enfance. J'ai su que j'avais les capacités de faire le business quand j'avais 23 ans. Parce que je me suis retrouvé à un moment abandonné. Pas de sous, il fallait que je m'occupe de l'enfant. C'est là que je me suis dit, attends, je fais ça, ça marche. Je fais ça, j'ai dit, ah merde. Et je reste, j'ai aussi les idées qui viennent. Hey! Donc, quand je peux aussi faire le business, c'est comme ça que je suis partie. Et là, on a combien d'années? 11 ans plus tard.
Il y en a parmi vous, vous ne savez même pas qu'il y a le business dans vous. Bon. Ciao. Mon numéro est sur la page, celle de Malissa. Mon numéro est sur la page TikTok.